vous m'avez vu ce matin, pour ceux qui étaient là, donc, avec elle, je suis développeur Fedora et organisateur de ce jeu avec Fabian, Michael et Dan qui se cachent quelque part. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par Docker, donc du coup, je me propose un peu de faire une introduction à Docker. Et je signale que bientôt à Lyon, il y a un Docker User Group qui s'est créé, donc on pourra parler plus en détail et on fera ce fameux atelier qui semblait tenir à cœur. On le fera une autre fois. Donc la présentation s'appelle Docking Your Service avec Docker, hein, pour une raison qu'on comprendra au fur et à mesure de la discussion. C'est pas qu'un jeu de mots pour faire un jeu de mots. Oh. Voilà, donc la présentation. Avec une grande photo de moi. Donc on va parler un peu de notre métier, l'IT. Bon, votre futur métier pour les étudiants qui sont au fond. Quand vous étiez encore tout jeune, moi aussi, hein, je devais avoir 12 ans. Donc à l'époque, un serveur, c'était tout simplement une grosse application qu'on mettait sur une stack bien définie avec un OS, un runtime, un middleware. Enfin, je ne sais pas s'il y avait des tonnes de middleware comme que ça en 95, mais bon, on va dire que c'était les débuts de Java, outil 2e. Il y avait aussi un serveur physique qu'on allouait et qui demandait d'aller faire une petite demande au service achat. J'aimerais un serveur pour déployer mon application. J'en ai besoin pour à la fin du mois. Ouais, t'auras ta réponse dans 3 mois et après. Voilà, donc c'était des choses très amusantes à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, on fait des applications mobiles, Android, iOS, Firefox OS, ou HTML5 tout simplement, pour que ça tourne pareil. On prend des services à droite, à gauche, qu'on essaye de combiner. Ah super, il y a un service de monitoring génial, ça s'appelle Numerolic, je prends. Ah, il y a un service pour gérer ses DNS, je prends, je sens tout ça. Pouf, j'ai mon application. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais c'est ce que les marketeurs voudraient nous vendre. Et ensuite, on fait tourner tout ça sur un pool de ressources qu'on trouve soit sous sa chaussure, sur un cloud public, privé, ou hybride, entre guillemets, donc c'est les deux, ou un serveur de virtualisation. Donc, si vous avez vu la présentation de Dev, Ovirt, c'est vraiment utilisé en production. C'est pas juste un truc qui est à côté. VMware, c'est encore le leader du marché. Donc voilà, en 2015, dans l'année prochaine, on sera arrivé à ça. Donc quel est le challenge en fait? C'est qu'en fait notre build s'est complexifié. Avant on avait son serveur qui était à côté ou dans un data center relativement accessible. On avait des frameworks qu'on maîtrisait, on maîtrisait l'ensemble de la pile, plus ou moins. Aujourd'hui, on a tout ça, on a des sites statiques, on a des workers qui traînent à droite à gauche, on a des front-end web, des services de base, en plus ça tourne sur soit des VM de développement, soit sur des serveurs physiques, soit sur... on est arrivé à une matrice de possibilités entre les services qui tournent et les machines, les ressources plutôt, des hosts, qui est devenu infernal à gérer. Et voilà, il y a une jolie matrice qui symbolise ça. Il y a des configurations qui marchent, des configurations qui marchent pas. Moi je suis développeur régulièrement, chacun a son petit environnement, chacun déploie sa application et chacun trouve ah il y a un petit bug, ça marche pas, parce que t'as pas la bonne version t'as pas la bonne version du compilo, enfin bref. On ne s'en sort plus, tout simplement. Et on ne fait que rajouter de la complexité. Comment résoudre ce problème? On va partir sur une petite analogie, c'est le transport de cargo. Imaginez, tout simplement, que notre code, on puisse le livrer comme de la marchandise, dans un container.
Et pourquoi parler de conteneurs, tout simplement? Parce qu'en fait, avant l'invention des conteneurs, qui est assez récente en fait, puisque ça a été inventé vers les années 50, en fait, le transport maritime de marchandises était aussi infernal. Quand il fallait décharger un bateau, il fallait prendre objet par objet, caisse par caisse, et c'était juste infernal. Après, il fallait plus que ça dans des camions qui n'étaient pas aux bonnes normes. Il faut savoir que les camions aux USA et les camions en France, par exemple, ils n'ont pas du tout les mêmes dimensions. Donc, du coup, il y a un bonhomme qui s'est dit, un transporteur qui s'est dit, moi j'en ai marre. Ça me coûte super cher de charger et décharger des bateaux. Je vais tout foutre dans des grandes caisses. Des caisses que je pourrais passer du bateau au camion avec une grue. Ça me prendra 10 minutes au lieu de 3 heures. Et ça me coûtera plus cher. Et du coup, il a acheté un bateau qui s'appelait l'Ideal X. Et qui a fait le premier transport de conteneurs de Newark à Houston. Avec des dimensions qui ont été standardisées. Et les dimensions, elles sont pas sorties du chapeau. Il s'est basé sur les dimensions des camions US, tout simplement. Donc vous voyez tous ces conteneurs, en fait, on peut encaser de la marchandise. Et donc en une fois, on peut transporter beaucoup de marchandises, et on va voir qu'il y a beaucoup d'avantages. Donc le bonhomme qui a eu cette idée, il s'appelle Malcolm McLean. Il est mort il y a environ un peu plus de 10 ans. Et en fait, il a remarqué que il a fait une économie de 90% juste en inventant le conteneur, en normalisant les formats de conteneurs, parce qu'il n'a pas inventé le concept de grosse boîte en métal pour foutre la marchandise, juste là, normaliser les dimensions. Donc avant, ça lui coûtait 5,8 dollars par tonne à décharger un bateau à la main. Et suite à cette invention, ça lui coûtait plus que 16 cents. C'était juste monstrueux. Et en fait, lui, il résume tout ça très bien. C'est un bateau, ça ne gagne de l'argent que quand il est sur la mer, à transporter de la marchandise, sous-entendu. Et du coup, si le déchargement est plus rapide, mon bateau pourra plus de voyages dans l'année, en fait, au final. Donc voilà. Donc, l'idée de Docker, en fait, c'est tout simplement. C'est de ramener le concept de conteneur au code. Comment? On va le voir. Donc, Docker, c'est l'idée, c'est qu'on va prendre notre code, on va le mettre dans une boîte noire. Une boîte noire qui est supposée être exécutable sur n'importe quelle machine. Que ce soit votre VM de développement, votre serveur, votre cloud public ou votre laptop. Vous prenez l'image, vous faites Docker run mon conteneur et ça tourne. Enfin, ça doit tourner. Et en pratique, ils ont réussi leur pareil. Et on le verra un peu plus tard. Voilà. Donc, comme un conteneur physique, qu'est-ce qu'apporte Docker? Il apporte, il est agnostique du contenu, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est pas son problème. Lui, son problème, c'est d'exécuter la machine et d'avoir le service qui tourne et accessible. Il est agnostique par rapport à l'hôte. Ça peut être votre serveur, votre laptop, votre cloud. Il y a même des gens qui ont réussi à faire tourner des conteneurs sur des architectures différentes en utilisant KMU. Donc ça tient ses promesses. Et l'isolation de contenu. Ça veut dire que ce qui tourne en Docker n'interagira pas avec ce qu'il y a à l'extérieur, donc sur la machine hôte, et inversement. Enfin, inversement, de l'hôte au conteneur, c'est plus facile. Mais c'est déjà une sécurité, parce que quand vous prenez un conteneur, vous ne voulez pas que votre marchandise, quand elle soit trimballée, vous transportez du verre. Vous n'avez pas envie que votre verre fabriqué en Chine, et quand il arrive en Europe, il soit tout cassé, parce que sinon, ça ne sert à rien. C'est pareil, on a envie que notre application, quand elle est dans son conteneur, quand je la transporte d'une machine à une autre, il n'y ait pas de certaines joyeusetés ou d'autres bizarres. Et on remarquera qu'en fait Docker, il vise à répondre à une promesse faite par Java, c'est build once, run everywhere.
construisez une fois et faites tourner partout. Et contrairement à Java, lui, il tient sa promesse. Enfin, pour une version très réduite de partout. Ouais. Alors, disons que tout ce qui n'est pas Linux, ça n'existe pas. Tout ce qui n'est pas x86, 64 non plus. Donc, pourquoi comment en fait Docker, il vous permet de packager vos applications en des images qui sont autosuffisantes. En fait, dedans, vous allez retrouver votre operating system, vous allez trouver votre middleware, vous allez trouver les morceaux de votre runtime nécessaires à tourner. Il apporte des opérations standards, donc qui permettent l'automatisation. Votre conteneur physique, je le prends avec ma grue, je le dépose, du bateau sur le quai et du quai sur le bateau, je le range dans son casier, voilà, c'est une opération standard. Donc quand on sait standardiser une opération, c'est-à-dire que son résultat est prédictible, c'est très facile à automatiser. Et voilà, le fameux trouble once on everywhere. Donc on va rentrer un peu dans la technique. Donc si vous avez des questions, il faut m'arrêter. Hein. Donc voilà. Alors quelques faits. Docker a été créé par une boîte qui s'appelle DotCloud. DotCloud, c'est un fournisseur de passe. Qui ne sait pas ce qu'il y a en passe? Ouais. Excuse-moi, mais quand quelqu'un commit du code sur OpenShift, il me fait, je ne sais pas c'est quoi en passe. Mais si, je sais, c'est pour ouvrir les portes, c'est comme les facteurs. Donc voilà. DotCloud, c'est effectivement une société qui a été créée par des anciens des Tech à la sortie de l'école. Ils n'ont pas attendu d'être cassés par les 16-2i françaises pour se lancer. Donc, oui, le créateur Docker, il s'appelle Solomon Hikes et il est français, malgré son nom. Et ils ont fait un pass, ça marchait pas trop mal. Par contre, en interne, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de quelque chose qui permettait de packager les applications et de les faire tourner n'importe où. Enfin, DotCloud, c'était une petite start-up. Ils n'avaient pas de l'argent pour acheter des data centers et tout. Ils hostaient ça sur du cloud public, sur différents fournisseurs, sur des serveurs dédiés. Donc, ils avaient vraiment besoin d'un truc portable. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses assez sympathiques. Il y avait OpenBZ, qui est un des ancêtres de la virtualisation par conteneur sous Linux. Et puis ils ont vu que les gens d'OpenBZ, ils en avaient marre que leur patron leur dise OpenBZ, on ne veut pas que ce soit dans le noyau Linux parce que c'est notre technologie à nous, c'est open source mais pas trop. Ils ont commencé à réécrire OpenBZ à côté. Sous LXC, puis progressivement ils migrent leurs produits propriétaires sur OpenBZ sur LXC. Donc du coup, quand DotCloud a vu qu'il y avait LXC, le truc bien évidemment, on verra, ils se sont dit on a quelque chose à faire, on a un truc standard dans le noyau Linux qui nous permet de créer des containers, on va l'utiliser et construire notre fameux conteneur d'application. C'est un projet qui est assez récent, il a commencé fin 2012, enfin même au début 2013, donc c'est assez récent, il a un peu plus d'un an seulement. Par contre, c'est un des projets les plus actifs, il est dans le top 15 des projets GitHub, donc c'est un très gros projet. Il y a quelques jours, il y avait 7295 commits, 389 contributeurs. On pourrait me dire, oui, mais c'est 389 contributeurs, c'est les employés de DotCloud. Non, non, non. Les employés de DotCloud sont ultra minoritaires aujourd'hui. Il doit être une vingtaine. Bon, 389, c'est pas forcément les plus actifs, mais déjà, dans la liste des 30 les plus actifs, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça sur leur temps libre, et il y a des gens aussi de sociétés externes. Docker a réussi à créer ce fameux momentum de communauté dont beaucoup rêvent et que peu atteignent. Donc voilà. Et d'ailleurs, chose très intéressante, c'est que en fait la société s'appelait DotCloud, faisait un pass, et que le produit créé il y a moins d'un an, en fait il y a 6 mois, ils ont décidé de renommer la société en Docker et de fermer le service de pass pour se concentrer sur Docker.
Ils ont fait une levée de fonds de 15 millions, alors que en tout pour tout, Dota n'avait pas levé plus de 11 millions sur plusieurs années. Donc c'est vous dire à quel point Docker a pris rapidement et est devenu un projet assez. Donc voilà une timeline assez réussie. Voilà. Donc ça a été le 18 janvier. Il y a eu une démo 2 mois après à PyCon, qui était juste mythique. Je vous conseille de voir la vidéo sur pyvideo.org. Ensuite, publication sur GitHub quelques jours après, et puis les versions s'enchaînent régulièrement. Puis au bout de. En juin, il rejoint la Linux Foundation. Donc Docker n'est plus un projet .cloud, c'est un projet Linux Foundation. Donc ça devient un standard de facto au sein de la communauté Linux. Puis quelques temps après, il y a un partenariat privilégié avec Red Hat. Donc le but c'était tout simplement de fournir du support sur Docker, parce qu'effectivement, on a effectivement un moyen portable de packager des applications. Et on vous a parlé tout à l'heure dans la présentation de dev d'OpenShift. OpenShift, on peut hoster des applications de manière assez simple. Et supposons que j'ai un back-end à gérer des workers. Comment je les gère dans OpenShift? Il faut que j'adapte mon code. Non, dans quelques temps, il suffira de packager son application ou ses workers dans du Docker et de balancer ça sur OpenShift, ça est juste. Donc voilà. Le changement de nom, la levée de fonds, puis les fonds. Les versions s'enchaînent. Il y a la 0.10 qui ne devrait pas tarder ou qui a été. Qui est sortie. Ok. Donc c'est toujours pas la 1.0. Parce que pour la 1.0, il y a certaines conditions, mais déjà la 0.9 avance bien parce qu'on a du support des execution drivers. Ça veut dire que Docker, il n'utilise plus seulement EVC, je vous en parlerai un peu plus tard, pour la containerisation de l'environnement. Il est capable d'utiliser d'autres choses, il est capable d'utiliser directement les facilités du noyau, il est capable d'utiliser, à terme, il utilisera les JS de FreeBSD. Ils envisagent un jour de supporter quelque chose d'équivalent sous Windows. Ils ne savent pas encore vers quelle technologie s'orienter, mais c'est un des prérequis pour la version 1.0. L'idée, c'est vraiment que Docker devienne la porte d'entrée vers la technologie des conteneurs. Et libcontainer qui permet en fait de construire des outils par-dessus l'architecture Docker. On peut par exemple faire des choses très marrantes, lancer son conteneur avec du code, ou même forquer un processus dans son application, dans son conteneur dédié. Enfin, on peut faire des choses assez folles, et c'est probablement là où il y aura des choses sérieuses qui vont arriver. On va regarder un peu comment c'est foutu. Donc, une petite comparaison entre les machines virtuelles et les conteneurs. Donc, si ça vous intéresse de comprendre un peu ça, ou vous êtes familier? Ok. La différence, c'est qu'en fait, là, on part sur on ne va pas rentrer dans les détails sur les hyperviseurs de type 1, type 2. C'est pas forcément le plus intéressant. Et on va dire que, voilà, en général, la virtualisation, c'est j'ai un hyperviseur qui tourne sur un OS host, et derrière, je fais tourner un guest. Et dans mon guest, j'ai tout l'OS. J'ai tout mon environnement et j'ai mon application qui tourne. Vous voyez, c'est assez lourd. À côté, dans Docker, j'ai quoi? J'ai mon serveur, j'ai mon host et j'ai l'engine. Je me dire, là, on joue un peu sur les DLR. Bon, en fait, non. C'est que là, on ne fait pas tourner l'OS. Le noyau, il est partagé. C'est la différence principale entre la virtualisation classique et la virtualisation par conteneur. On partage le noyau d'OS. Je ne peux pas faire tourner un guest Windows sur une machine Linux et vice versa. C'est la limite hard. Mais du coup, voilà, on gagne cette couche-là. En plus, Docker, il joue sur des layers qui vont permettre de constituer vos images en compilant des layers en utilisant. Si vous avez entendu parler de UNNFS, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre différentes couches, les assembler au runtime et vous avez votre image complète et vous êtes libre de reconstruire à côté votre layer, de réutiliser ces layers dans d'autres machines virtuelles
en utilisant le fait que les layers sont read-only et que si vous faites des modifications, soit vous les enregistrez, soit à l'arrêt du conteneur, elles seront supprimées. Donc vous voyez, on peut partager la partie, on peut partager aussi cette partie runtime entre différents conteneurs. Et là, c'est où c'est magique, c'est qu'en fait, sur une machine physique où habituellement on ne peut pas faire tourner plus de 5 à 6 VM, on peut faire tourner facilement une centaine, voire un millier de conteneurs selon on va se tourner un conteneur avec un operating system un peu différent ou juste une application ou un process. Ça devient vraiment très intéressant au niveau. Si vous faites du cloud computing, c'est ce qu'on appelle du cloud haute densité. Et qu'on essaye de packer un maximum d'applications sur les mêmes ressources physiques, tout en éliminant le superflu. Donc voilà. Donc au final, Docker, là j'ai ma VM. Donc du coup, mon application, c'est plus que ça. Mais encore mieux, je peux, avec les layers, la redécouper. Quand je fais une update, j'enregistre que les modifications et la shipper différemment. Donc on verra. Je peux livrer mon application sous cette forme. Et quand j'ai une mise à jour, je livre juste les quelques mégaoctets qui changent. C'est bête, mais souvent, le gros problème chez les éditeurs logiciels, c'est de distribuer les updates. Souvent, on change un petit binaire, une petite lib. Et il n'y a pas besoin de tout de redistribuer. Mais non, le problème, c'est que le problème, c'est qu'on a une variété de clients qui tombent différentes versions. Donc du coup, on est obligé de redistribuer l'ensemble du truc. Et là, on va redécouper une application en tranches et les personnes récupéreront les tranches qui les arrangent, tout simplement. Donc voilà un peu l'exemple. Donc voilà, j'ai mon application. J'ai mon registre d'image, je récupère le dé, je l'applique, ni vu ni connu, j'ai pas retéléchargé la nouvelle version de l'appli, juste le bout qui manquait. Et je continue. Donc Docker, il ne marche pas par magie, hein, il utilise des technologies existantes. Linux Containers. Alors, qui ne connaît pas l'appel CRUD, ou la commande CRUD? Bon, tout le monde, okay. Même facilité à l'aide. Je connaissais HCROUT, mais pas CROUT. CROUT, c'est la version pourrie de CHCROUT. L'idée, c'est que le problème du. C'est HCROUT, puisque c'est la prononciation acceptée ici. C'est qu'en fait, on isole juste la racine change root, hein, d'où le nom. Ça ne cache pas les processus qui tournent à côté, ça ne nous empêche pas d'accéder au file system de l'autre via certains mécanismes, donc c'est assez moyen. En plus, on partage pas l'API réseau, on partage l'API réseau avec le reste du système, bref, c'est juste bien si on veut masquer certains fichiers, tout simplement. Mais ça reste assez limité, donc par-dessus, on va construire un service qui s'appelle Linux LXC, qui permet justement d'utiliser les facilités du noyau pour créer une isolation plus complète. Et ça dépend d'une fonctionnalité qu'on appelle les namespaces, les Linux namespaces, donc les espaces de nom. Donc si vous êtes familier avec les espaces de nom... Aïkal, tu peux stopper 30 secondes. C'est bon, tu peux continuer. Ok. J'en ai marre de prendre ma pause. Donc du coup... ça dépend des espaces de nom. Donc ça, en gros, les espaces de nom, si vous développez dans des langages qui supportent les espaces de nom, c'est l'idée, c'est que pour pas que pour pas éviter les collisions entre les variables, ce genre de choses, je vais les mettre dans des espaces dédiés. Et si je veux y accéder, je préfixe avec un espace de nom pour y accéder. Donc l'idée, c'est un peu ça, c'est que je vais mettre mes ressources dans un espace dédié. Donc elles ne seront pas visibles par le commun, sauf par un mécanisme de référencement, et par les autres namespaces. Donc il y a différents namespaces, il y a le mount namespace qui va fournir l'isolation au niveau du file system, un peu l'équivalent du chroot. D'ailleurs, je crois que le chroot se base dessus. Il y a aussi la propagation, si vous montez un endpoint dans un point de montage qui est exposé à un groupe de processus qui utilise ce mount point,
bah du coup il accédera aussi à ce qui est dedans. Donc c'est un peu récursif. Et ça, c'est un truc qui date de, il y a très longtemps. Depuis le noyau de 2.4. Oui. Donc vous m'avez là plutôt? Non, juste là. Juste en 4. Ok. Donc du coup, on avait ça, mais pour avoir une utilisation plus complète, bah, il nous fallait aussi des namespaces pour les PID, donc les Process ID Identifier. Donc l'idée, c'est de dire, bon, bah, mon processus, quand il va tourner dans, son namespace, dans ce PID namespace, il va avoir l'équivalent du PID 1, le fameux init. Donc et voilà, si vous voulez cacher votre processus qu'il y a System 2 sur l'autre, il le verra quand même, mais du voilà. Par contre, tous les PID qui ne sont pas dans son namespace lui sont cachés, et ça, c'est le noyau qui applique cette règle. Il y a aussi l'isolation au niveau des pseudo-file system, donc notamment proc. Chaque processus, bah, du coup, il a plusieurs PID, puisqu'il est visible dans son namespace où il a son propre PID, au niveau de l'AST. Et en plus, comme un processus peut être mis dans plusieurs namespace PID, il peut avoir aussi, il a autant de PID que de namespace dans lequel il y a un. C'est con, mon flex. Et ça, c'est... Ah, excusez-moi. Ça, c'est depuis le noyau 2.6.24. Donc, et là, ça, pour moi, c'était la feature. Les net namespaces. Parce que ce qui manquait vraiment dans le croûte, enfin dans le croûte, ouais. C'est surtout le fait que on pouvait pas avoir de pile réseau dédié à notre application. Et du coup, on avait plein d'interactions moisies et ça, c'était juste infernal. Et ça, on l'a depuis. Et ça s'est étalé sur plusieurs releases, entre la 2.6.19 et la 2.6.24. Et du coup, qu'est-ce que ça nous fournit? Ben, chaque groupe de processus dans l'espace, ben, il voit ses propres interfaces. Il ouvre ses propres ports, il a sa propre table de routage, il gère lui-même son firewall avec Ptable. Bon, malheureusement, Ptable est toujours là. Moi, je sais pas pour vous, mais moi je déteste Ptable. Je trouve que la syntaxe est absurde. Je préfère IP filter sur BSD, c'est pas fait, ça va rien. C'est parce que t'as jamais eu un manager IP chains avant. Ah non, ça c'est encore pire. Ça, je suis d'accord. Oui, donc, laisse un peu de temps à Lénard, tu vas écrire. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, on peut créer des interfaces visibles à l'intérieur et à l'extérieur du namespace. Pour créer des réseaux partagés, ce genre de choses, c'est assez sympathique. Donc tout ça, on peut le faire sans Docker, sans LXC. Des applis visibles au niveau du noyau. À vous de construire les outils avant, donc on est bien content qu'il y ait libLXC et Docker pour proposer des outils pour gérer ça. L'UTS namespace, donc qui fournit la gestion des noms de domaine et des noms d'hôtes, l'isolation, super, petit beau. Donc, voilà, aussi pareil pour les IPC, on va avancer. Et puis, bon, bah, Mickaël vous a pas parlé des C-groups, en tant qu'assistant, il connaît un peu mieux que ça. Le sujet, mais l'idée c'est de fournir un framework pour limiter les ressources. C'est très important, c'est que si vous containerisez votre application et que derrière il y en a une qui prend toute la mémoire, tout le CPU, ben, les autres elles n'ont plus rien, c'est un peu gênant. Donc, du coup, il fallait un mécanisme pour contrôler ça et ben, le noyau Linux propose ça. Il faut penser, il faut imaginer ces groupes en fait. Comme le framework qui vous permet de créer un U-limit en mieux. Et en plus, chose très importante, il vous permet de suivre à la trace tous vos processus sans possibilité de tricher. C'est pas en forquant, double forquant, que vous échapperez au groupe de contrôle. Le groupe de contrôle, lui, il voit que vous forquez, il suivra le processus fils quand même. C'est imparable. C'est ce que utilise d'ailleurs systemd pour tracer les démons. Sans cette feature, systemd n'aurait pas été possible. Donc voilà, il y a des pour manipuler les groupes, il y a des pseudo-fichiers qu'on appelle contrôleurs. Donc on a des contrôleurs pour gérer la facette CPU, la facette mémoire et différentes choses. Donc voilà. Puis bon, on va commencer un peu. Donc on va installer Docker. Donc
Bah, depuis, il est dans les dépôts depuis CentOS 6.5. Moi, je pensais qu'il n'y avait que dans la 7. Et il est dans la 6.5. En fait, il n'est pas, comme tu le dis, il n'est pas dans CentOS. Les fonctionnalités sont disponibles dans la 6.5. Mais évidemment, le paquet lui-même de Docker est dans la APL. Donc voilà, pour démarrer Docker sur la 6.5, c'est service Docker Start. Sinon, si vous utilisez sur AD7 ou distribution moderne avec du systemd, ben c'est System Control Start Docker. Donc voilà, pour lancer Docker au boot. Alors, ça, je vous conseille pas de le faire sur autre chose que votre machine personnelle, c'est de vous ajouter dans le groupe Docker. Parce qu'en fait, Docker, c'est un démon qui tourne, et en fait, vous communiquez avec ce démon via la clé pour pouvoir lancer vos conteneurs et ainsi de suite. Et en fait, le démon Docker, on peut communiquer avec lui que si on est root. Si on se rajoute au groupe Docker, en gros, on acquiert certaines capacités root pour communiquer avec Docker. Donc bon, ça, c'est pour éviter de mettre SU ou sudo. Pour utiliser la ligne de commande de cœur. Donc voilà. Bon ben là je vais vous présenter un peu rapidement les commandes. Et on fera peut-être une démo live, parce que c'est plus sympathique que de regarder les trucs. Donc ben voilà, il y a une commande qui s'appelle Docker Search, qui vous permet d'aller fouiner l'index d'image officielle de Docker. Pour trouver des images en fonction de tag. Donc là, je cherche l'image CentOS. Il y a une image officielle, super. Elle s'appelle en plus CentOS. Elle est super récente, Fabienne. Écoute, la discussion, parce que nous, on a fourni une version qu'on a faite. Et les discussions, je suis encore occupé moi sur l'IRC. On va reprendre le contrôle officiel de l'image qui est là, parce que ce n'était pas la nôtre, mais elle était fonctionnelle. Donc fournie par des clouds. Maintenant, on va la faire avec directement eux. Elle viendra de chez nous officiellement. Mais là, pour le moment, elle est approuvée par vous. On va dire ça comme ça, ouais. Voilà. Elle est semi-officielle comme l'image Fedora. Donc du coup, une façon très simple, c'est du coup, je fais un run en donnant le nom du conteneur et ensuite je donne une commande shell, là je fais un echo tout bête. Et du coup, ça va exécuter mon echo dans le conteneur. Là par contre, la particularité, c'est que mon conteneur va s'arrêter tout de suite. Donc on va dire c'est quoi ça, du coup je sais pas, je peux lancer un job, il va durer 5 minutes, plutôt que de lancer une machine qui va booter en 5 minutes, et puis il faudra l'arrêter et tout, non c'est là, le boot est quasi instantané, je lance mon job, je récupère le résultat, j'arrête, ni vu ni connu, donc niveau ressources c'est super efficace. On peut installer des choses, par contre il faudra sauvegarder le snapshot, parce qu'en fait Docker quand vous faites des changements dans l'image, ce qu'il va faire c'est qu'il va faire des snapshots, et les snapshots si vous ne les enregistrez pas, il est bien tout simplement. Si vous voulez tourner Docker en mode persistante, il y a le stage D, donc demonize. On peut donner un nom conteneur parce qu'il y a une commande ps pour visualiser les conteneurs qui tournent, donc du coup c'est sympa s'il y a un nom humainement compréhensible. Et puis on peut voir les logs. Et il y a plein de commandes. Donc là, je vais faire une petite démo. Donc, tant pis pour les gens sur Hangout, ils ne verront pas. Il n'y a pas d'Hangout. Pas d'Hangout. Bah, ils ne voient pas, la caméra accroche pas le Wi-Fi. Ok. Vous me voyez? Bah, t'es face à nous, oui. Faut que j'augmente la taille. Oui. Ok. Donc je vais faire les mêmes commandes, mais pour voir un peu comment ça se passe. Si tu as de la connexion. Oui. Bon, vous voyez, il y a plein d'images CentOS, c'est populaire. Ouais. Si vous voulez qu'on se tape la honte, je cherche les mêmes pour Fedora, il y en a beaucoup moins. Je peux taper les images Tacware. Fedora, c'est nul. Et les Ubuntu. Non. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pool CentOS. Bon, je l'ai déjà en local. Mais bon, il va me le dire. S'il y a une mise à jour, il va récupérer le changement. Donc bon, elle est là. Donc super. Je fais run CentOS. Ensuite, je sais pas. On va lancer un shell. Hop.
Ah putain, c'est quoi la différence? C'est pas du SRB. Ouais. Donc du coup, bah voilà, j'ai pas rajouter le tiret T. Hein? C'est quoi? Le tiret T pour avoir un terminal. Non, je suis bon. Donc voilà, j'ai mon propre shell. Je suis un LS. C'est vachement long. Ouais, sinon ça marche aussi bien d'enregistrer la démo et de faire une vidéo. Ouais, mais c'est cool. Ouais, mais attends, sinon il n'y a plus d'effet démo si tu enregistres. Ouais, aussi, tu peux enregistrer aussi une connerie. Donc voilà, donc on voit que il y a mon conteneur qui est. -T-I pour l'interactif. Donc ça, c'est le conteneur que j'ai ouvert juste avant, je m'étonnais, il n'était pas le voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le stopper. Donc du coup, il faut que je récupère l'ID du conteneur, parce que chaque conteneur a un ID. Ah. Voilà, donc ça met un peu de temps à s'arrêter, hein. C'est un peu plus long qu'à démarrer. Mais... Voilà. Donc derrière. Voilà, on peut aussi lancer. On va peut-être lancer un autre conteneur. Demonize. Avec CentOS. Je sais pas, mais. Faire une fart bombe. Ah. Non. Ouais. Il y a quoi qui peut tourner maintenant? Donc voilà, je fais un Docker log. C'est OS. Je suis con, j'ai pas donné le nom. Il ne tombe pas. Et on va voir après un truc un peu rigolo, c'est Dockerfile. C'est Picker Container. Du coup, bah, c'est bien, on a nos conteneurs, mais moi je veux customiser mon conteneur, je fais comment? Je peux m'amuser à faire mes commandes à la main, mais un challenge Docker, c'est d'automatiser les choses. Du coup, bah, on va regarder comment customiser les choses. Il reste combien de temps? Donc tout simplement il y a les Dockerfiles qui ont une syntaxe ultra simple. Donc, voilà. Et ça permet d'automatiser, alors c'est pas la génération de conteneurs, c'est plutôt la customisation de conteneurs, parce que Docker, ils ont Stackbook qui vous permet de générer vos conteneurs. Et bon, la génération d'images. Pour bosser un peu dans ça, pour la génération d'images dans le cloud, les outils, une tétrachier, un outil, un RPA. À chaque fois qu'il y a une mise à jour d'OS, c'est toujours la croix et la bannière pour manger ça. Donc le plus simple, c'est d'utiliser les outils fournis par votre distribution. Par contre, une fois que vous avez une image de base, ben, en fait, ce serait bien d'avoir un outil un peu simple. À maîtriser pour pouvoir customiser ça, donc c'est Dockerfiles. Donc voilà un exemple que From, donc c'est une directive qui vous permet de dire prends cette image de base depuis l'index Docker et sertant comme base. Après vous pouvez mettre en maintainer. Donc c'est quand vous la pusherez sur l'index Docker, ça affichera votre nom et votre contact. Comme ça, si votre image est pourrie, les gens pourront nous insulter directement par email. Ensuite, il y a Directive Run qui va exécuter des commandes shell à l'intérieur de votre conteneur, à la création. Il y a aussi une commande onBuild qui permet de le faire uniquement à la création. Donc là, ce que je fais, c'est que j'installe le dépôt EPL, je fais mes updates, je nettoie mes metadata, j'installe le serveur MongoDB, je renettoie le metadata. C'est un peu fasciste, mais bon. Donc voilà, je crée ensuite le répertoire pour mettre les données de Mongo.
j'expose le port 27017, donc c'est le port utilisé par défaut par Mongo pour servir ces données. Mm-hmm. Donc quand j'expose une... Alors ça c'est une petite particularité de Docker, c'est que l'idée c'est de containeriser des services. Donc les services ils vont utiliser souvent des ports réseau pour pouvoir communiquer. Donc du coup, l'idée de Docker c'est que comme on veut assembler des briques, ben, on va définir une syntaxe, on va définir une interface standard pour dire ben, voilà, ce conteneur va exposer telle interface, et du coup on a même la mécanique pour relier des conteneurs entre eux. Ben, tu vois, toi tu as besoin du service Mongo, alors tu vas taper sur tel conteneur qui expose le port machin chouette, et ainsi de suite. Et on peut d'ailleurs, ça serait une super idée, ça, ce serait tout ça, de faire une jolie interface web pour interconnecter des containers en utilisant comme port le port réseau. Voilà, et l'entry point, c'est l'exécutable qui sera exécuté au démarrage du conteneur. C'est quand vous démarragez le conteneur, il va exécuter cette commande. Et après, il y a d'autres commandes pour monter soit d'autres conteneurs, soit pour monter. Des répertoires de l'hôte, soit pour copier des fichiers à la création, bref, il y a quelques commandes assez sympathiques, mais dans l'ensemble, il y en a entre 20 et 30. Donc, et celles-là, c'est vraiment les plus utilisées. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5. Non, il y en a 4. Non, il y en a 5. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Donc, voilà. Oh, ben, ensuite, il faut le builder. Donc on crée un répertoire, c'est important de créer ce répertoire. Ensuite, de créer un fichier Dockerfile, de le remplir. Je vous montrerai à quoi. Donc, c'est le fichier qu'on a vu précédemment. On fait Docker build en donnant le nom du répertoire. Donc, il va récupérer l'image de base, faire les petites customisations et tout. Ensuite, il va vous donner un identifiant, un checksum, pour identifier votre image. Bon, je suis en plein milieu de l'image, ça me perturbe. Donc derrière, on lui donne un nom, parce que c'est plus sympathique, et ensuite on peut la pusher. Donc là, c'est le nom du compte, slash le nom de l'image. Et pour identifier une image, en fait, c'est le compte, slash MongoDB. Par exemple, pour l'image Fedora, la personne qui a fait ça, elle utilise le compte MattDM. Bah, l'image Fedora, c'est MattDM slash Fedora. Donc voilà. Donc du coup, on a une vision un peu plus proche, un peu plus... voir la vision de la chose, c'est qu'en fait on a un Dockerfile qui est dans un git. Ensuite on fait un build, donc Docker elle va nous générer le conteneur. On fait un push, on l'envoie sur l'index. Les utilisateurs peuvent faire un search. Ah super, il y a une image avec CentOS et Redis. Ben, je vais faire un pull, je l'exécute et hop, j'ai mon service Redis qui tombe sur CentOS. Et le plus beau, c'est qu'on verra, c'est qu'on peut avoir son propre index privé. Et bientôt, on pourra même avoir son index privé sur l'index public. Enfin, on aura des comptes privés sur l'index public. D'ailleurs, je crois que ça a même été ouvert le service. Donc voilà à quoi ça ressemble, le Docker Index. Donc il y a une jolie boîte à aller chercher, des images mises en avant, et on verra qu'il y a Ubuntu, CentOS et Fedora. Bon, on se demande ce que font Ubuntu là, mais bon. Voilà. Les images les plus utilisées, les images récemment mises à jour, donc voilà, et là on a les dépôts privés. Donc on peut payer 7$ par mois pour hoster ces images Docker. C'est pas cher, et c'est sur index.docker.io. On peut créer son propre image shop, donc il suffit d'installer le paquet Docker Registry. Il faut configurer un peu le fichier Docker Registry YAML. Parce que derrière, il faut lui dire où stocker les images. Donc il peut utiliser du Glance, du Swift, du S3, du local, du Gluster, il me semble. Je n'ai pas testé ça. Et ensuite, vous lancez le Docker Registry, qui est une application web en Python, et qui fournit les API Docker. Donc voilà, il y a des API REST. Il y a aussi un flux d'événements, donc récupérez tous les événements qui s'exécutent sur votre host Docker. Il y a aussi une interface WebSocket que j'ai jamais utilisée. Et ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, Docker, on communique uniquement avec lui via des API. Donc du coup, la manie de commande Docker, elle commande par défaut mon Docker, mon engine Docker en local,
mais aussi sur notre machine, sur un cloud, enfin l'équivalent d'un cloud public. Donc, avec le même outil, je peux commander plein d'engines. Donc il y a plein de clients qui utilisent cette API, donc la commande ligne, la ligne de commande. Il y a des élites clients dans Python, Ruby, JavaScript, Java, Go. De manière assez intéressante, Docker a été créé en Go et l'API Go est arrivée assez tard par rapport aux autres. Allez savoir pourquoi. Donc voilà. Donc on va parler un peu du futur et si on attend, je vous montrerai un peu comment tourne un Dockerfile et comment créer un conteneur Docker. Sur le temps. Donc le futur, ben, Docker 1.0, c'est la top priorité du projet. Donc l'idée c'est d'avoir une architecture plug-in et la première étape ça a été la grande étape ça a été en 0.9 d'avoir la lib container et les execution drivers. Donc vraiment devenir le standard de fait pour contrôler des conteneurs. Avoir plus de back-end d'isolation, donc les namespaces sans utiliser LXC qui est utilisé par défaut. Donc directement se passer de la couche LXC. De toute façon, c'est juste une API de commodité, mais bon, elle existe et maintenue, donc elle est assez robuste, donc c'est mieux que de partir de refaire. KVM, donc c'est assez marrant, c'est qu'on a un truc qui veut être le standard pour gérer des conteneurs, mais il va à terme pouvoir s'interfacer avec un hyperviseur. Donc également les VIR, puis FreeBSD Jade, Solaris Zones. C'est pas officiellement listé, mais avoir la même chose sous Windows et aussi dans la liste des priorités. Bon, ils le mettent pas en hard pour éviter que ça bloque une éventuelle 1.0, tout simplement. Mais commercialement parlant pour Docker Inc, c'est intéressant. Et puis plus de back-end au niveau du système de fichiers. Par défaut, ils utilisent INFS qui n'est pas distribué par défaut dans Red Hat, Fedora et CentOS. C'est un peu gênant, donc il y a une bidouille qui utilise LVM SIN. LVM SIN, maintenant c'est Machine Mapper. Device Mapper. Device Mapper, voilà. Donc qui a été fait par Alexander Larson chez Adat. Donc c'est une bidouille, hein. Enfin une bidouille, ça reste assez propre quand même. Mais l'idée ce serait d'utiliser un vrai file system fait pour gérer des snapshots de manière native. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas utilisé LVM, mais je n'en sais pas assez pour pouvoir y répondre. Et Docker, en fait, c'est que le début. C'est plein de possibilités. C'est l'intégration PaaS. Donc Dev a parlé d'OpenShift, mais aussi leur concurrent CloudBees, la PaaS Java, qui récemment a mis ça en production. Il y a le fameux Do It Yourself. Maintenant, aujourd'hui, la mode, depuis près de 6 mois, c'est de faire un talk. Faites votre propre passe avec Docker en une heure. Si vous venez à la ConfMixit à la fin du mois, gagnez un talk, version passe en une heure en Java. Ouais. Pour moi, les passes, c'est un peu passé de mode. On a des trucs un peu robustes. Puis voilà. Il y a aussi la partie hosting, donc on a Boot to Docker qui permet d'avoir un OS ultra minimal pour démarrer des machines Docker. Tu peux t'arrêter 30 secondes. C'est bon. Ok. Bon, j'aurais marre un peu de jouer un 2-3 soleil avec la caméra. Boot to Docker, ça vous permet de démarrer des containers Docker sur un OS ultra minimaliste. Mais il y a CoreOS. Qui en fait va vous permettre d'orchestrer aussi tous vos conteneurs Docker. C'est un OS ultra minimaliste. On pourra en parler après parce que je pense pas qu'on ait le temps de parler de CoreOS. Ça serait une conf d'une heure, c'est un problème. CoreOS. Donc ça vous permet, pour vous qui faites beaucoup de gestion d'infrastructure, d'avoir la solution pour gérer vos conteneurs sans trop vous casser la tête à gérer toute une plateforme et toutes les problématiques qui sont associées. Il y a des IHM. C'est intégré à OpenStack. Donc OpenStack, il sait s'interfacer à libvirt, à Xen, à KVM, enfin plein de backends hyperviseurs. Maintenant, il sait aussi orchestrer du Docker. Donc, bon, c'est assez rigolo. Parce que du coup, bon, il y a matière à troller, donc on va arrêter. Celui-là. Bon.
Du coup, est-ce qu'on a un peu de temps pour montrer la création d'un Docker file? Si on veut revenir dans les temps, non. Ok. Ben, je vous laisse. Et deux questions ou pas? Ah non. Oui. Question au niveau de sécurité. Il y a quelque part, même dans les dates, qui communiquaient en fait que la continuisation n'était pas une bonne façon de faire la sécurité. Ça n'empêchait pas de faire des cellules, par exemple. C'est Yamo, je t'ai dit ça? Non, je suis tout à fait d'accord, et c'est vrai, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, moi par exemple, n'ont pas beaucoup de fans de Docker actuellement. Par contre, le problème c'est que Linux n'a pas du tout de support pour les namespaces, alors ici on est en full dans le namespace. Par contre, Dan est occupé à travailler, donc Dan Walsh, pour ceux qui ne connaissent pas, contributeur principal de Linux, qui est un de chez Red aussi. Comme tout le monde parle de Docker, c'est clair qu'ils ont focus sur Docker aussi pour pouvoir faire fonctionner Linux à l'intérieur des containers aussi, avec leur propre set de policies. C'est sûr que c'est ça. Mais j'ai compris que c'était pour isoler les conteneurs avec Docker. Alors, il y a la couche en dessous, mais par contre, tout le monde va avoir SLinux, évidemment, pour la couche en dessous, pour gérer un peu comme SLinux gère carrément, même correctement, les isolations de Docker Machine. Ça se passe au niveau du host. Mais par contre, avoir SLinux qui tourne également dans les images, dans les conteneurs, ça, c'est vraiment un prérequis. Alors, vraiment, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai une question plus intégrée. Pour moi, utiliser Docker pour faire de la sécurité, c'est mieux que rien du tout, déjà. Parce qu'il y a une isolation. Par contre, je suis d'accord sur le fait qu'avoir en plus SLinux, qui va appliquer des policies mandatory access control, qui est quelque chose au-dessus encore. Là, oui, on a quelque chose vraiment caroublé. Mais par contre, il y a des gens qui font de la sécurité en utilisant des VM. Pour moi, si vous utilisez des VM pour faire de la sécurité, c'est un gros gaspillage de ressources, autant utiliser Docker ou LXC. Je pense qu'il voulait dire, c'est que Docker n'a pas été conçu pour répondre à un problème de sécurité. Ah oui, c'est pas c'est clairement pas son objectif. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu d'audit de sécurité, de voir si on pouvait essayer des fuites, etc. Ah, mais il y en a. Ah non, mais alors, les namespaces, il y a des exploits. Il y a pas à mettre en doute. Par contre, c'est déjà un niveau au-dessus, les niveaux sécurité. Pour moi, si déjà vous l'utilisez dans un. Utiliser ce Linux, moi je vous recommande chaudement. Mais si vous n'avez rien du tout, utilisez Docker aussi, ça peut être. C'est un outil. Mais c'est pas la solution. C'est pas logique. Et une question au fond. Une question que par essence même, le fait de faire de la sécurité alors que Docker fait du partage de layers entre les différentes instances pour justement aller plus vite, par essence même, ça va rendre. Est-ce qu'on veut quelque chose qui va vite et qui les oui. La sécurité, c'est plutôt la bonne utilisation de la bonne ressource au bon moment, et pas forcément la sécurité au sens des process qui se font dans les autres. Oui. Il y a beaucoup de problèmes sur ces notions de performance et Le truc c'est que moi j'ai utilisé Docker dans un projet un peu particulier, c'était exécuter des job batch sur une grille, donc une grille que tu ne maîtrises pas forcément, qui est administrée de manière un peu funky. Enfin, tu vas dans n'importe quel centre de calcul français, tout dépend qui gère. Hein. Mais pour ne pas citer de nom, ENS Lyon, les machines sont un peu gérées par un peu n'importe comment. Il y a des gens qui ne sont pas du tout ENS, qui sont administrateurs sur la machine, hein. Moi par exemple. Moi je ne suis pas super enthousiaste à l'idée d'exécuter mes jobs dans ce genre d'environnement, que je ne maîtrise pas du tout. Si derrière, moi à distance, je peux exécuter mon job dans un conteneur, déjà je sais que ça ne va pas exploser la machine host. Enfin, sauf si on utilise un exploit, mais déjà c'est déjà mieux que rien. Et derrière, moi ça m'évite aussi qu'il y ait des interactions à côté. Quoi. Après, l'host pourra toujours bypasser dans le conteneur. Mais déjà, si ça évite que n'importe qui puisse le faire, moi je suis plus serein. Et puis ça permet aussi de limiter les ressources. Supposons que vous êtes sur une machine qui est partagée par tout un labo. C'est moyennement apprécié que vous bouffez toutes les ressources. Parce que vous lancez VirtualBox et qu'il bouffe toutes les IO du serveur, c'est très moyen. Donc du coup, si vous exécutez votre truc sur Docker, déjà vous gagnez un peu en perte. Et en plus, vous pouvez, en utilisant les cgroups, moi j'utilisais plutôt LXC à la base, Docker, je ne sais pas trop si bidouiller directement les namespaces gérés par Docker c'est une bonne idée, mais moi je le fais. Ça vous permet de gérer plus finement vos ressources. D'ailleurs, c'est ce qui manque un peu dans Docker, c'est un peu les API pour gérer ça, de manière un peu plus simple.
Une autre question? On passe à la suite.